Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur de la mythologie viking, un monde rempli de mystères et de légendes, avec Shadow of Valhalla. Développé par Chicken Waffle, ce jeu se distingue par son approche des combats dynamiques au corps à corps, alliant avec brio des éléments de RPG à une immersion totale dans un univers ancestral marqué par la culture viking et des pouvoirs surnaturels. Shadow of Valhalla vous invite à vous préparer pour le Ragnarok, le crépuscule des dieux, dans une odyssée qui vous conduira depuis l'Elysium jusqu'aux portes de Yomi, le royaume des morts. Armé de runes magiques face à des démons et des spectres, seuls les guerriers les plus braves pourront survivre dans cette quête épique, jalonnée de défis et de boss toujours plus redoutables. Lancé initialement en accès anticipé en août 2020, Shadow of Valhalla est disponible dans sa version définitive sur MetaQuest et Steam depuis décembre 2023. Allez, il est maintenant temps de laisser place au véritable gameplay du jeu. Vous allez découvrir les premiers pas de l'aventure depuis le début de l'histoire jusqu'au boss du premier niveau. Ces images, capturées directement depuis la version Quest 3, vous donneront un aperçu authentique de ce que propose ce jeu en termes d'immersion et de mécanique de jeu. Je vous laisse donc savourer cette séquence et je vous retrouve juste après pour partager mes impressions.
Nous revoilà de retour d'Entre les Morts. J'espère que vous avez pris plaisir à voir mon skill légendaire. Alors, après tous ces combats acharnés, que dire ? Le truc le plus cool du jeu, c'est sans aucun doute le démembrement. Il y a véritablement quelque chose de profondément satisfaisant à trancher bras et tête. Autrement, même si les combats ne sont pas exempts de défauts, les impacts physiques sont suffisamment bien exécutés, apportant justement cette touche d'amusement et de dynamisme qui rend l'action assez prenante. Le jeu, dans son essence, garde une simplicité globale, avec un arsenal plutôt classique, épée, hache, massue, arc et bouclier. Les runes magiques, quant à elles, viennent pimenter l'expérience et ajoutent une dimension stratégique bienvenue, comme les boules de feu que l'on débloque au second niveau. Sur le plan graphique, Shadow of Valhalla fait le job sans pour autant épater. Les détails sont bien sûr plus présents sur la version PC, mais dans l'ensemble, le rendu reste plutôt modeste. Ce que je déplore, c'est surtout l'absence de diversité dans les défis proposés. Des énigmes ou des puzzles auraient apporté un peu plus de variété au milieu des vagues incessantes d'ennemis. Et en parlant d'ennemis, les animations tendent à se répéter fortement, un peu comme la bande-son qui, elle aussi, manque cruellement de variété. Cela dit, Shadow of Valhalla trouvera son public chez ceux qui recherchent des combats rapprochés intenses et du challenge, car oui, la difficulté monte rapidement. Voilà pour mes impressions, j'espère que cela vous aidera à vous forger une opinion sur ce jeu qui, malgré une certaine discrétion sur le quest, mérite qu'on s'y attarde. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous êtes passionné de réalité virtuelle, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse ici, mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes en VR. C'était Mr. Enjoy, ciao !